Voilà un exemple de comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer des emails avec du copywriting dedans. Par exemple, ce produit-là que j'ai mis en vente récemment, ça c'est la page de vente. Ok, fait plein de blabla. Juste je copie. Et à ChatGPT, je lui demande déjà quel plan de copywriting tu connais pour écrire des emails. Des emails de vente. Comme ça, on peut voir à peu près. Donc le plan AIDA. Le plan PAS, plan FAB. Alors, si on s'intéresse, on va voir de quoi ça parle. Moi, je vais prendre, j'en sais rien, moi, le plan AIDA, le premier. Donc, je te donne la page de vente d'un produit et tu m'écris un email en suivant le plan AIDA. D'accord? Hein? Est-ce qu'il est d'accord? Peut-être qu'il ne veut pas. Il dit, ouais, bien sûr. Là, là, là. En suivant le plan. Pour commencer, veuillez me fournir des informations. Ok. Ok, voici les informations. Hop, je lui colle la page de vente. Voilà. Donc, là, il me fait. Alors, il me marque attention, l'intérêt, désir. Il me marque les parties du plan. Je lui dis, refais-moi l'email sans indiquer les parties du plan. Aïda, merci quand même. Et voilà. Donc, normalement, cet email est bien. On sait rien. Il faut vérifier, relire. Mais normalement, il sera bien. En tout cas, même sans relire, on peut envoyer comme ça. Il faut mettre son lien affilié. D'ailleurs, je vais essayer de l'envoyer parce que moi, j'ai envoyé un email. J'ai fait zéro vente. Donc, je vais tenter le coup. En tout cas, voilà comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire du copywriting. D'abord, lui demander qu'est-ce qu'il connaît comme copywriting. Chercher le bon truc. Lui fournir les informations sur le produit. Et il nous fait un email. Pareil, on pourrait faire une page de vente en donnant, par exemple, une fiche technique. D'un produit ou ce qu'on a écrit à la con sur le produit, notre page de vente. Donc, je dis refais-moi une bonne page de vente en suivant le plan PAS ou AIDA. Voilà, c'est tout. Bye bye.